J'aime bien cet endroit. Quand je suis de mauvaise humeur, je viens ici. Je suis leur meilleur client. En général, il n'y a que des gens de passage. Ça ressemble à un film de Murnau. Les films de Murnau, c'est toujours le passage de la ville à la campagne, du jour à la nuit. Il y a tout cela ici. À droite, les trains, la campagne. À gauche, la ville. D'ici, il semble qu'il n'y ait pas un gramme de terre. Rien que de la pierre, du béton, des voitures. Je n'aime pas cette lumière. Vous êtes mal à l'aise. Vous n'avez pas l'air bien dans votre peau. Non. Je ne suis pas bien dans ma peau. Il y a des gens qui disent « L'important, c'est d'être toujours en accord avec soi-même. » J'ai entendu une crapule dire ça récemment à la télévision. Quand on entend ce genre de propos, regardez bien la tête des gens. Ils ont tous un point commun, un côté bovin. Quoique j'aime bien les ruminants. Ils ruminent. Ruminer, c'est bien. Ruminer un mot, une idée, n'importe quoi. Excusez-moi, mais j'ai l'impression de vous ennuyer à mourir. Mais vous m'avez regardé? Oui. Je vous trouve très bien. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'ennuie? Non. Mais les femmes sont tellement menteuses. Et vous? Qui êtes-vous? Comment vivez-vous? Je suis assez pour l'ennui. Comme cette secte d'hérétiques dont parle Borges, je crois. Et dont la qualité essentielle est dans l'ennui. Pas dans la foi, l'enthousiasme, dans l'ennui, le nul. Je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai fait mon autoportrait. Vous me reconnaissez? C'est mon seul brevet d'existence. Mais de temps en temps, je suis content. Par exemple, maintenant, d'être ici avec vous. Même si j'ai emprunté l'argent pour y venir. Mais vous êtes fou d'être venu ici si vous n'avez pas d'argent. Ne pas avoir d'argent n'est pas une raison suffisante pour mal manger. Quand j'étais enfant, je volais des livres. Je prétendais que la pauvreté n'est pas une raison suffisante pour ne pas se cultiver. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir assez d'argent pour vivre sans rien faire et qui font quelque chose. Ils font même des choses bien. Du cinéma, par exemple. Cela leur permet de prétendre gagner leur vie. Qu'ils prennent la place d'autres gens ne me dérange pas beaucoup. Au contraire, il faut toujours encourager les injustices. Mais en plus, ils croient apporter quelque chose. Leur création. Enrichir le monde. Quel programme. C'est bon ce que vous mangez? Un peu nerveux, peut-être. Ça va. Et ce vin, qu'est-ce que c'est? Il est plutôt bien? Il est pas mal. Vous savez, quand on mange froid, on sent le froid, pas le goût. Quand on mange chaud, on sent le chaud, pas le goût. Quand c'est dur, on sent le dur, pas le goût. Quand c'est liquide, on sent le liquide, pas le goût. Donc, il faut manger tiède et mou. Vous voyez, le jour a baissé. C'est mieux maintenant. Racontez-moi. Parlez-moi de vous. Quand vous avez fini votre travail, que faites-vous dans votre chambre? Je regarde la télévision d'un air morne, assise sur mon grand lit. Je prends ma douche pendant le journal télévisé. Je suis très organisée. Vous avez trouvé un système pour écouter les nouvelles en prenant votre douche? Vous ne connaissez pas les chambres d'infirmières? La douche n'est pas dans ma chambre, elle est au fond du couloir. Pour moi, les choses n'ont pas d'importance. Quand je sors, je passe souvent la nuit dans les bars, les boîtes. Je bois.
Ça n'a pas d'importance. Si je rencontre un type, je vais avec lui. J'ai pas de problème. Tu peux baiser avec n'importe qui. Et combien de temps durent ces aventures? Une heure, une nuit, plus longtemps? Une heure, une nuit. Je déplais beaucoup à certaines personnes. C'est normal. Il faut déplaire beaucoup à certains. Pour plaire à d'autres, tellement. Mon cou et mes épaules sont très douces. J'ai de très jolis seins. Et je n'aime pas les minettes aux cuisses maigres. Vous aimez ? Faites pas cette tête. La vie est belle. La vie est merveilleuse. Vous ne voyez pas? Regardez ce ciel horrible. Deux scores. Vous pouvez pas savoir comme les internes sont cons. Quand j'étais en salle de garde, ils ne parlent que de leur patron, que des filles qu'ils ont baisées, des filles qu'ils vont baiser, leur voiture de sport et maintenant de leur moto. Et moi, quand j'étais jeune bleue, j'ai baisé avec ces cons. J'ai baisé avec un maximum de médecins. Je bois toujours le whisky avec du coca. Une fois, j'étais en salle d'op et un interne vient me dire « Véronica, il y a une dénudation à faire en salle tranchée. » Alors, je prends ma boîte sous le bras et j'y vais. J'étais dans l'ascenseur, je faisais pas attention. Et je m'aperçois qu'on ne va pas du tout à la salle tranchée. Il avait envie de me baiser, il avait rien trouvé de mieux. Alors, je me suis pas dégonflée, j'étais enlevée mon tempête, j'ai baisé avec lui, je suis revenue en salle d'op avec ma boîte sous le bras. Après, il a voulu recommencer, je lui ai dit « Non, une fois, ça suffit. » J'imaginais. Je ne suis pas allée à l'hôpital depuis mon enfance. J'avais le souvenir que les infirmières étaient dures, insensibles, se foutant complètement de la souffrance, de la misère du monde. Et cela me plaisait beaucoup, cette dureté, cette façon de ne pas compatir au malheur des autres. Mais vous avez raison, c'est exactement ça. Comment êtes-vous avec vos malades? Vous avez une blouse blanche? Oui, il y a un voile aussi. Ah, comme une religieuse. J'aimerais beaucoup vous voir dans cette tenue. C'est facile. Vous n'avez pas quelque chose à vous faire opérer? Un poumon. Vous savez, c'est très joli un poumon, c'est tout rose. Un poumon, non. Mais j'avais un ami qui avait une idée formidable. Il voulait se faire couper la main droite. Très sérieusement. Aller voir un chirurgien, lui dire quel est votre prix. Voilà. Et se faire mettre à la place une main en porcelaine. Et chez lui, dans une pièce, au milieu de la pièce, sans rien d'autre, mettre sa vraie main dans un bain de formol. Avec une plaque, ma main, 1940, 1972. Et les gens viendraient visiter, comme une exposition. C'est drôle. Oui, c'est très bien. Mais croyez-vous qu'un chirurgien accepterait? Non, je ne crois pas. J'en ai assez d'être ici, partout. Vous voulez pas boire un autre verre? Partout. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous téléphoner un de ces jours? Si vous voulez. Je n'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de marcher. Je marcherai bien toute la nuit avec vous. J'ai envie d'aller au bord de l'eau. Vous voulez dire au bord de la Seine? Au bord de l'eau.